Alors bonjour, c'est mon deuxième match de la journée, après un premier match qui avait été assez facile, c'est le moins qu'on puisse dire. Celui-là ça devrait déjà être un peu plus dur vu que je suis RSS, même si ma main est pas dégueu du tout. Pas dégueu du tout du tout du tout. Allez, on va jouer de manière un peu agressive. Ah putain. Bon, d'un seul coup, bon, c'est beaucoup moins intéressant. Moi j'ai ça. Plutôt sens comme move. Bon, je suis pas ultra concentré, on va pas se mentir, c'est pas incroyable. Fidèle, Favier plane, Pecan cover, Cambridge. Non, Norad. En effet, c'est un joueur que j'ai vu passer un certain nombre de fois dans les... Alors, UN avec Nasser, ok. Bon. Ouh, non. Ça serait bête. Là, je l'ai déjà fait plus d'une fois, on va éviter cette fois de la faire. Alors, attends que je réfléchisse. Bon, alors, 10, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, donc il y a plus. Je suis un peu concentré, il y a Comecon qui est parti. Ah,
1, 2, 3. Monsieur est agressif. Alors j'ai plusieurs choix là. Suez, en même temps c'est la plus grosse carte et à tous les coups je vais me faire. Malgré tout, s'il veut ouvrir avec l'Asie, ouais. C'est ce que j'espérais. Alors, donc Vietnam révolte qui a été joué et l'Asie qui a été jouée également. Alors, qu'est-ce qui a été joué juste? Il a joué nucléaire Tesban, hein, c'est ça. Capture, je l'ai. Europe, c'est lui qui. Enfin, Europe, j'en sais rien en fait. Destal, Coréenne, Suez, Socialiste, De Gaulle, Arabe. Ça, ça n'a pas été joué. Défecteur, ça a été joué. Ah putain! J'aurais pu attaquer déjà avec Suez. Thank you.
What? Je suis bourrin. Bon alors qu'est-ce qu'il a? Marshall c'est moi. Europe c'est lui. Et ça va sur ma sideline, enfin, il y a des chances. Red Scare c'est moi. Indopaki c'est moi, très bien. Capture c'est moi. Testal c'est moi. Coréen Noir c'est lui. Socialiste c'est lui. Et Romanian c'est moi en gros. Et bon ben, on va faire Red Scare. Hein. Putain, chier. Il a China Card, il a Marshall. Ça va être un peu dur de lutter contre ça. Par contre, je peux lui faire payer cher. C'est quelque chose que je peux faire. Ah oh, putain, ça serait mieux par contre que j'ai des résultats convenables. Après on va faire une destale. Ouais, ça me paraît raisonnable. Est-ce que je prends le Zahir ou est-ce que je fais un coup d'état?
C'est une partie intéressante. Il faut pas que je tarde trop, en plus. Il n'est pas une super main, mais... Ouais. Il manquait sûrement deadline, en effet. Il reste la carte de Corée, une autre carte que j'ignore, ça c'était Comécon. Spécial, il l'a joué. Quoi cette main de merde? Pas vraiment grand chose d'autre à dire. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué là. Parce qu'il peut aller. Ouais. Et en plus, il a un OPEC gratuit. Donc tu me diras, j'enlève quand même une carte à 3. On va voir comme ça. C'était chanceux ça, Arabe Israël lui. Il a Nasser, hein. Il est complètement Nasser, faut que je me grouille de jouer Sadat. Il a Nasser et Coréen Noir, il me semble. Et
Ouais, j'aurais peut-être dû mettre les deux directs. Je suis pas du tout convaincu de la manière dont j'ai joué les scientifiques nazis. Faut pas se mentir, mais j'ai un peu peur de qu'ils récupèrent du DEFCON. Et en plus là, il peut très bien faire un coup d'état en Colombie, donc autant que je sois présent. Ok, ça existe. Je pouvais pas faire grand-chose contre ça. Pas incroyable, mais même brochoir. Ah, fait chier. Ok, Muslim, qui en effet était une carte à problème pour lui. Voice, clairement ça va être dans l'espace, et ce serait mieux que j'arrive à mettre colonial également. Il manque clairement d'opération. Ok, très bien. Je pouvais rien faire contre ça. What? Ah putain, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur là. Ça m'a fait chier, je vais devoir jouer OS. On se dirige quand même plutôt vers une victoire des Russes. Enfin, l'histoire des Russes, je crois qu'on va avoir une histoire des Américains, oui. Le scoring de la vie. Et très bien.
Oh, une bonne main. Bon, IBM, c'est assez évident. Sachant qu'en plus. Et je me laisse l'occasion de faire un coup d'état, on va faire ça. Yes. C'est vraiment une main abominable. On accepte, en fait j'ai deux bonnes cartes, mais pour le reste c'est de la merde absolue. Ouais, super. Que je joue la vie. Esknote, donc de quoi il s'est débarrassé? Il s'est débarrassé de ce mythe, de South America Scoring, bien sûr, de quoi d'autre? Et de Panama. Ouais. Moi, ça a beaucoup d'état. Vingt-cinq en plus, faut que je fasse gaffe au temps. Quoi que j'ai assez de temps. Oh putain, il avait une bonne main en plus. Alors, donc
clairement. Pouvoir balancer OS dans l'espace. Ah putain. Il y a pire. Franchement, ça me va. Alors, combien il me reste? Alors que je joue à China Card, c'est ça l'histoire, bon, tant que je la joue alors. Donc, 4, 5. 1, 2, 3, comme ça je peux jouer ça, même si ça lui a rapporté 2 points de victoire. Ouais. Ça se discute du coup. Alors, je suis pas fan de ce coup, mais sinon qu'est-ce que je fais? Ça me fait un 9-8 et il avait une carte à 2 pour réparer, non mais c'est trop peu. Hein. Il y aurait une Amérique du Sud, ça aurait été assez différent. Hop.
Parce qu'il va être à 5 là. Merde, mais t'as plus que 5 même, j'ai pas de coup d'état à faire. Tac. Faire dans ce cas là voilà. Une carte dans le draw. Oh putain, quel enfer. Oh, quel enfer, quel enfer. Ouais, et c'est pas bon pour moi. Franchement, je peux lui faire un petit albérique. Alors, il n'y a rien que je peux faire contre ça, donc... Non ! Non, 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 non. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il a maintenant? Il a fidèle. Il a Evil Empire. Il n'y a pas de mauvaise main. Il a U2. Il a Tear Down This Wall, mais pas pour longtemps. Il a Iran Contra. Il a Latin American Debt Crisis, qui va être une carte chiante pour lui. Il a Ortega, donc il faut qu'il se débarrasse rapidement. Et il a Terrorism. Donc il a plus Tear Down This Wall. Qui va être bien. Je vais récupérer le minimaliste. Alors, combien il reste de cartes à jouer? Ils peuvent s'en passer, hein, si chaque est vicieux.
J'aurais dû faire Regan Bombs Libya, mais bon, c'est pas très grave. Bâtard! Ça change pas grand chose pour moi, honnêtement. Enfin, si ça change un peu en fait, parce que du coup, je pense que ça vaut d'autant mieux. Ça vaut le coup de faire ça. Tendu comme partie. Et lui, il va falloir qu'il joue la China Karn, donc il faudrait que je me dépêche de protéger l'Inde, parce que il a intérêt à jouer la China Karn. Quoique, il lui reste 4 cartes. Iranian, ça c'est clair. Ils ont fait un marine pour deux opérations. Iranian, c'est une carte beaucoup trop importante pour que je la laisse filer. Bon, elle est intéressante cette partie. Prochain tour, il y a Wargame qui arrive, il y a Star Wars, mais Star Wars c'est pas une menace pour moi. Ok. Et c'est lui, super, c'est lui qui a... Putain. Alors, je suis son, je peux discard one L card. J'ai plutôt envie de spacer en fait. Par contre, Reformers, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qui... Glass 9, ça a été joué, qu'est-ce qu'il a lui? Star Wars, on s'en fout. Il a Solidarity. Hein. Solidarity, Avok. Noran. Bon, allez, on va arrêter de suivre les cartes à ce stade-là du jeu. On va mettre 2 en Pologne. Et genre 2 en Grèce, un truc comme ça. Bon, en Grèce, en Turquie plutôt pour prendre la domination temporairement.
Iron Ladies will spacer. Iron Cell, je vais devoir le garder. Bon, enfin, je vais le garder jusqu'à la fin du tour, mais après, je vais m'en débarrasser. Est-ce que j'ai rangé cette carte? C'est très clairement. Yes. Tout de suite. Au moins, j'aurais pas eu cette saloperie. Donc il avait ça. Dommage. Ouais,
Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Comme chaud. J'aurais peut-être dû casser vu qu'il devait faire un coup d'état. C'est quoi cette main de merde? C'est une main vraiment de merde. Ouais, bon, je pense qu'il a gagné. Je vois pas trop comment gagner avec ça. Wilburyu, c'est pas très intéressant. Deck and cover. Comment je space moi? Des cartes à 4 que je space, merde, c'est des cartes à 4 que je space, qui veut dire que il faut pas que le defcon se dégrade là. Ouais, ça va être compliqué quand même. Ouais, ça va être compliqué, il n'y a rien d'autre à dire. Comme tenté. Donc il y a plusieurs solutions. Une des solutions, c'est de faire ça. D'enchaîner sur on peut faire ça comme ça et on score l'Asie. Ça paraît pas mal. Ouais. Ah, 4, 5, 6. Deux cancars, je peux le laisser, mais si je laisse pas qu'un cover. Ah, 4, 5. En fait, j'ai des bonnes cartes, hein, mais.
Alors, à combien on est là? C'est qu'un point en plus. Ok, très bien. Cinq, dix, trois. C'est chaud. C'est quand même un léger avantage pour lui. Parce qu'il a le dernier move. Alors, attends, que j'en ai un. Le problème, c'est que ça, il peut le corriger facilement, putain. Donc là, il est à 4, 7, moi je suis à 5, 8. Donc faut que je sois offensif, ça c'est sûr. Je pense quand même qu'il pourra assez facilement le combler. 1, 2. 1, 2, 3, 4 avec la China card. Ah ouais, mais c'est trop facile. 1. J'ai une carte, dans tous les cas il peut me niquer, à moins que j'arrive à lui faire un réalignement en fait. Je pense que c'est la seule option qui peut me permettre de gagner. Thank you.
Bon ben voilà, c'était plus intéressant comme partie, ça sera à re-regarder, voir quelle erreur j'ai faite, j'en ai fait des petites, après tout je sais pas non plus, hein. Notamment rien qu'au début en fait, le fait de headliner la décolonisation, c'était pas un très très bon move. Mais bon, de toute façon, dans tous les cas, il gagnait, même sans la Voice of America, même sans Voice of America, il était tranquille. Donc voilà. Ouais, j'aurais pu mieux jouer, je pense, à certains moments. J'ai eu des stalls et des calls au début, même si des calls, je l'ai un peu merdé avec, donc je peux pas trop me plaindre de ce point de vue-là. J'ai eu quelques mains assez moyennes, mais j'ai eu des meilleurs moments aussi, bref. Je pense que c'était relativement équilibré dans l'ensemble. Un peu plus dur à la late war, mais c'est-à-dire j'ai eu beaucoup de chance dans l'espace, bon voilà, un match assez, assez complet, assez sympa. Il est jeune. Et voilà, bon bah c'était une partie plutôt sympa en tout cas, bien plus intéressante que celle que j'ai jouée juste avant, que je posterai peut-être un peu après derrière celle-là sur la chaîne, mais où j'ai gagné tour 2 avec avec un CIA suicide, c'était pas très intéressant. Voilà, bon bah et le prochain match, il y a des chances que ce soit un match officiel parce que j'en ai pas mal. Et j'en ai pas mal en retard, voilà. Merci d'avoir suivi, à la prochaine.